Comment est-ce que Aurélie Eliam entretient ses cheveux? Comment est-ce que DJ Soro entretient sa peau? Comment Yasmine Reda lave ses dessous? Comment Kadi Touré change ses... Très bien, vous avez un aperçu de ce qui va se passer aujourd'hui. On parle d'entretien. Tout ce qui est entretien sur notre corps, notre routine beauté, nos astuces, on partage tout avec vous à cœur ouvert. C'est une confession et une émission unique en son genre. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Attends. Kadi, qu'est-ce qui se passe? Tu as reçu l'argent aujourd'hui que tu as partagé à nous? Oui. Alléluia! Tu es belle, oh, tu es magnifique, à la Beyoncé, à la blondasse. On aura beaucoup d'argent aujourd'hui. Amen. Je vous dirais, c'est ma blague là. Oh Dieu, mission, comment chacun lave son caleçon. Oui. Mais la personne qui n'a pas beaucoup son caleçon, c'est lui qui n'a pas beaucoup d'argent. Non, non, on va parler de ça. Mais tata, c'est ta meuf. Je suis très heureuse aujourd'hui. Est-ce que tu portes caleçon, tata Kadi? Pas toujours, ça dépend. Alors, je suis très heureuse et je suis très heureuse. Vous savez, souvent, avant de commencer l'émission, quand tu prends ton téléphone et puis tu vois un message passer, et surtout que ce message contient... Oh, contient... C'est pas ça, ne se moque pas de la personne qui distribue la Voilà. Non, non, jamais, jamais. Quand ce message concerne toute l'équipe des femmes d'ici. Ah bon? Amen. Ah bon? T'as dit, faut pas nous jaoulis, pardon. Non, dis-moi. Non, je vais dire ça sur les réseaux sociaux, si c'est vrai ou pas. Ah. Si tu m'as blagué, là. La blanche. Elle a dit quelque chose d'assez heureuse aussi. On comprend tout maintenant. Et puisque cette émission est comme une télé-réalité, donc tout ce qui se passe là, on vous dit clair, on ne cache rien. Chacune. Non. Alors, comment t'as dit que cette année, chacun n'a qu'à donner son nom par lequel on doit l'appeler, puis il est heureux. Toi, tu dis qu'on va t'appeler Tanti. Non, je n'ai jamais. Ah, tu n'as jamais dit ça, d'accord. Et toi, tu as dit quoi? Maman. Elle n'a pas dit ça. Ah, tu n'as jamais dit ça aussi. Bon, moi, pour moi, c'est maman pasteur, n'oubliez pas. En fait, c'est enfant. Tu vas croire quelque chose dans ta tête. Comment est-ce que ça va, les filles? Ça va très bien. Est-ce que vous êtes prêtes pour une émission? Alors, cette émission-là, moi, je sens que je vais l'aimer, je sens qu'on va l'adorer. On a fait une émission unique. Comme je l'ai dit, unique en son genre, c'est la première fois qu'on va parler de nos routines, nos vérités. Comment est-ce qu'on s'entretient de la tête aux pieds? Et quand je dis de la tête aux pieds, des cheveux aux orteils, en passant par la laine, les seins, les fesses, le teint, les odeurs des vlemous, tout. Oui, on doit tout dire à notre public. Le vlems. Parce qu'aujourd'hui, Didja a une grosse communauté qui la suit. Yashou a une grosse communauté qui la suit. Aurélie, pareil, et moi, pareil. Donc, cette communauté-là, souvent, a besoin d'être plus proche de nous. Et on doit leur dire ce qu'on fait pour s'entretenir. Le teint de... On est toutes différentes. Nos incarnations, on est toutes différentes. Comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? D'accord? Ceci dit... Hey, Jésus, merci pour ta grâce dans ma vie. Et je compte sur vous pour une sincérité hors pair. D'accord. Merci. Voilà. Ne dites pas non, non, s'il vous plaît, non. Vous avez carte verte. Merci. Aujourd'hui. Merci. Si vous ne portez pas de slip, avouez-le. D'accord. Si vous portez des bâches, avouez. D'accord. Voilà. Vous ne serez pas puni. D'accord. Au contraire. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on va commencer donc par là, les cheveux. Okay. La tête d'abord. D'abord, je commence par la tête. L'anatomie de l'être humain. La tête. Mm-hmm. Aurélie. Oui. Tes cheveux. Est-ce que ce sont tes cheveux naturels et comment tu les entretiens? Oui, ce sont mes cheveux naturels, aux grandes dames de ceux qui ne croient pas. Comment je les entretiens? Je fais un shampoing une fois par semaine, accompagné d'un bain d'huile. Alors, quand je vais
au salon de coiffure. Donc, ce sont les dames qui s'en occupent. Mais en général, je pense que c'est un mélange de mayonnaise. En tout cas, elles ont un mélange particulier qui permet d'entretenir mes cheveux. Mais quand je suis à la maison, j'utilise un produit sur lequel je communique aussi sur mes réseaux sociaux, qui est très bien. Et c'est aussi à base de mayonnaise. Sinon, naturellement, en général, c'est de l'huile de coco en masque. Une fois par mois. C'est pas vous qui fabriquez à peu près. Non, 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 j'achète de l'huile de coco. Quand je vais à la plage, j'achète avec les dames, là, les bouteilles. Là. Et je mets dans mes cheveux au moins pendant une heure et ensuite je rince. Mais c'est vrai qu'en général, je laisse plutôt le soin aux coiffeuses de s'occuper de mes cheveux parce que c'est quand même, les cheveux longs sont quand même difficiles à entretenir. Donc, voilà. Et c'est vrai que j'ai découvert depuis quelques temps le lissage tanin, qui est très bien, qui est naturel et qui permet justement aux femmes qui ne veulent pas se défriser d'utiliser la méthode pour avoir les cheveux lisses. Donc, voilà. C'est-à-dire le fait, les cheveux d'Aurélie. Cheveux de Yachou. Yachou. Ce sont tes cheveux. Ce que je porte actuellement ne sont pas mes cheveux. Sinon, mes cheveux sont en bas. Ouais. Je ne suis pas bien nattée, mais je peux enlever, ça ne me dérange pas. Mais comme ce n'est pas le sujet, je ne veux pas faire genre. Voilà. Pour faire mes cheveux, ce n'est pas difficile. Moi, j'ai un gros problème quand je vais au salon. Dès qu'on met la main dans mes cheveux, j'ai mal. Et ça, c'est depuis quelques années que ça a commencé. Avant, je n'avais pas ça. J'étais très salon, mais depuis un moment, j'ai des douleurs pas possibles. Donc, j'ai cru que peut-être qu'il fallait régulièrement défriser. En temps, je fais souvent un an, je ne défrise pas. Donc, quand j'ai recommencé à redéfriser, juste pour qu'on puisse me natter, je me suis rendu compte que ce n'est pas bon. Donc, qu'est-ce que je fais? J'achète des shampoings que j'achète au supermarché, tout simplement. Je vais prendre des marques qui me sièrent, que j'aime. Je vais regarder la composition. Effectivement, si je vois qu'il y a un peu de... pétrole. Oui, non, un peu de huile de jojoba, ce genre de choses, huile de raisin. Je prends pour laver mes cheveux. Moi-même, je fais mon shampoing à la maison. D'accord. Mais je vais toujours prendre... Quand on a mal à la tête comme ça, quand on a des problèmes où ça tire un peu, il faut prendre shampoing pour les cheveux secs ou bien le cuir chevelu sec. D'accord. C'est ce que j'ai découvert. Donc, je fais mon shampoing, je passe au déménant, mais en général, je prends les masques. C'est déjà fait dans les boîtes, là. Je mets, ça sent super bon. Quand tu te laves, ça prend toute la maison. Super. Et puis après, je peigne, et puis c'est bon. Puis après, je vais au salon. Sinon, pour faire les bains d'huile, moi, j'ai l'habitude de mélanger les feuilles... je ne sais pas si on peut dire à la télé, de cannabis. Hein. OK. Voilà, le cannabis, j'écrase un peu les boules, là. Quand j'écrase ça bien, le jus que je prends là, je mets dans mes cheveux, je porte un chapeau, un bonnet, voilà. Je prends un bonnet de bain, ça fait pousser les cheveux et surtout, ça ramollit les cheveux en fait. D'accord. Ça fait que tu n'as plus besoin de trop te fatiguer. Très bonne astuce, on aura besoin de ça. Didja. Alors, c'est pas mes cheveux, je pense que ça se voit. Donc, pour entretenir les cheveux en dessous, j'ai été nappie pendant à peu près 5 ans et puis ensuite, je les ai défrisés. Et là, je suis en transition parce que j'ai envie de redevenir nappie. Donc, ce que je fais, c'est que je fais toujours soin un bon bain d'huile. Avec de l'huile de ricin que je mélange à de l'huile d'olive pour faire mon masque pendant à peu près une heure avec une serviette chauffante parce que je n'ai pas le casque chauffant à la maison. Quand c'est au salon de coiffure, je mets le casque chauffant. Mais à la maison, je mets une serviette chaude juste. Et puis, je rince, je fais mon shampoing normal. À un moment donné, j'ai souffert de pellicule. Donc, je prenais un shampoing spécial anti-pelliculaire. Et puis ensuite, je faisais un masque pour nourrir le cheveu, etc. Donc, c'est toujours ce que je fais. Ensuite, je vais sécher. Et en général, je laisse sécher à l'air libre. Pas de faire, pas de trucs chauffants. Non, non, non. À l'air libre, tranquillement. Et ensuite, je vais faire des vanilles. Ah bon, Oui, je fais des vanilles moi-même. Quand c'était encore nappy. Aujourd'hui, je vais directement au salon pour me faire des petites nattes. Ensuite, je pose ma perruque. Et les masques que j'utilise dans mes cheveux, c'est les mêmes masques que j'utilise sur mes perruques. Donc, en général, je ne donne pas mes perruques pour les traiter. Je les fais moi-même à la maison avec un bon masque. Je laisse, je rince bien avec de l'eau. Et puis après, mes perruques... Et où tu as appris tout ça, à faire les trucs toi-même? Enfin, voilà, comme Yasmine a dit sur YouTube, en fait, j'évite au maximum de sortir de l'argent. Donc, je fais ça moi-même. Ils sont très... D'accord, très bien. Alors moi, enfin bien sûr, ce ne sont pas mes cheveux, sinon effectivement mes cheveux ont cette air-là. Moi, je ne sais pas trop comment on entretient les cheveux, j'avoue. Moi, c'est mon problème, ça. Et même, c'est pour ça que je demande comment vous faites, parce que j'ai des produits que je ne prends pas ici,
mais qui sont... et il n'y en a pas ici, justement. Quand je voyage, c'est des shampoings. Quand je prends, là, une fois que j'ai mis dans mes cheveux, ça rend mes cheveux lisses, ça nourrit mes cheveux. Et puis, je n'ai pas beaucoup de choses à faire. Parce qu'en réalité, je n'aime pas me fatiguer sur tout ce qui est cheveux. Si je dois faire un shampoing ou un entretien, je fais venir les coiffeuses à la maison. Elles viennent, elles font. Donc, je n'ai pas de salon de coiffure dans lequel je vais pour faire ci, pour faire ça. Je ne sais pas. Je n'aime pas trop partir dans les coins, en fait. Ça, c'est mon problème. Moi, j'aime beaucoup parce que c'est chou quand on te masse. Oui, c'est trop bien. Non, mais je veux dire, moi, elles viennent à la maison, elles mettent le casque, elles font tout ce qu'il y a à faire. Et les perruques aussi, je leur donne. Elles s'en occupent. Et puis après, bon, elles viennent aimer. Donc, moi, c'est que mon shampoing. Mon huile, il y a une huile qu'on met pour ne pas que les perruques... La pipette. Pour ne pas que, voilà, les perruques enlèvent les cheveux ici. Moi, c'est tout le col. Quand je mets ça à chaque fois avant de dormir et tout, et ça fait que ça entretient les cheveux. C'est toujours natté en bas, voilà. J'ai un parfum de cheveux que je mets souvent, tout le temps, parce que je suis très une accro des bonnes odeurs. Et voilà, c'est toute ma routine. Moi, ce que j'utilise beaucoup aussi, ce sont les shampoings. J'ai commencé à utiliser les shampoings sans sulfate. Ouais. Parce que le sulfate, c'est pas bon, c'est cancérigène. Donc, les shampoings vraiment naturels, sans sulfate. C'est ce que je conseille. Important. Moi, je voulais juste rajouter qu'en ce qui concerne les cheveux, c'est important d'acheter des ampoules. Mm-hmm. On voit ça comme ça, on néglige, mais vous avez les ampoules qu'on casse là. Oui. Il faut vous aller dans les supermarchés, il y a plusieurs marques qui font ça. Les ampoules avec même, je dirais même, le dessin des femmes afro là. Ouais. Voilà, vous achetez, vous mettez souvent dans les nattes. À défaut, si vous n'avez pas les moyens pour aller dans les supermarchés, vous allez même au marché d'Adjamé, vous avez des gars qu'on appelle les Rasta. Oui. Ils vendent des petits pots comme ça, un peu mentholés là. Oui. Et c'est très bon pour les cheveux. D'accord. Ouais. Très bien. Conseil de shampoing, comme je dis, les shampoings que moi j'utilise, c'est du shampoing au collagène. Mm-hmm. Donc c'est très bon pour la pousse des cheveux. Si vous en trouvez en tout cas dans les supermarchés, il y en a. Bien. Mm-hmm. On va maintenant passer, on a entendu les cheveux, maintenant le visage. Comment vous faites pour avoir une belle peau de visage? Je commence par Didja. Ça, c'est le secret de Polichinelle, mais je ne vais pas tout vous dire ici. D'accord. Déjà, je pense que ça a pu se voir dans les saisons précédentes. J'ai souffert pendant très longtemps de l'acné, pendant à peu près 11 ans. Et finalement, je me suis décidée à avoir une spécialiste de la peau, donc une dermatologue, et j'ai suivi un traitement d'à peu près 7 mois. Et donc, le résultat, il est là. Sauf que pour accompagner, donc j'utilise certains produits. Enfin, je ne vais pas mentionner Bien les marques, sûr, mais ouais. je vais donner, détailler ma routine du matin, par exemple. Le matin, c'est démaquillant avec une lingette. Mm-hmm. Ensuite, nettoyage. Je nettoie ma peau. Je garde la peau humide et je prends de l'eau micellaire que je vais prendre pour renettoyer. D'accord. Ensuite, je rince de l'eau micellaire. C'est un petit secret. Il ne faut jamais garder l'eau micellaire sur sa peau. Ouais. Il faut toujours rincer. Ça, c'est vrai. Ensuite, je vais passer une lotion tonique. Voilà. Et puis, je vais mettre une crème hydratante, une crème pour le contour de mes yeux et puis une crème solaire. D'accord. Voilà. Très bien. Et le soir, ça va être des maquillages, nettoyage, eau micellaire. En fait, je répète ça, sauf que je vais rajouter un sérum. Pour le soir, hydratant à la vitamine C, vitamine E, ça dépend de ce que vous recherchez. En tout cas, un bon sérum. Et puis, toujours le contour pour les yeux. Très bien. Ensuite, une crème hydratante. C'est une routine, hein? Non, mais ce qu'elle dit, tu as une belle peau. Alors, moi, j'avais aussi beaucoup de problèmes d'acné au niveau des joues, parce que quand j'avais mes règles, j'avais toujours des boutons et après, ça laissait des taches noires. C'est ça. Même si je ne les cassais pas. Du coup, je suis tombée sur une marque. Bon, je ne vais pas dire le nom, mais tout le monde sait de quelle marque je parle. Et ce qui se passe, c'est que je fais cette routine-là. Mais moi, le matin, par exemple, je suis déjà démaquillée la veille. J'ai déjà lavé mon visage, donc je suppose que je la crème de nuit. Donc, on va commencer la nuit. Quand je rentre le soir, je prends toujours les cotton pads. Les cotton pads c'est en ça, français. Je mets l'eau micellinaire. Parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a qui donnent des boutons. Il y en a qui font que tu irrites ta peau. Donc, il faut vraiment savoir choisir pour les peaux sensibles. Moi, je prends pour peau sensible, je me démaquille correctement. Et par la suite, lorsque je vais dans la salle de bain, j'ai un savon à base de bave d'escargot. C'est très bon, la bave d'escargot, si vous avez des savons à base de... Et je lave mon visage avec. Quand je finis, je tapote. J'ai aussi ma lotion tonifiante, puisque maintenant, mon visage n'est plus super gras. Mais à l'époque, quand c'était gras, j'utilisais astringent. C'est-à-dire qu'il y a un produit qui est très fort à l'intérieur, qui enlève le sébum. Et donc, pour le cotton pad, pour mettre la... Comment vous appelez ça, la lotion tonifiante, je ne frotte pas mon visage comme ça. Il faut tapoter. Il faut tapoter, justement, pour pouvoir resserrer les pores. C'est ça. Et quand je tapote, que je resserre mes pores, je prends, comme elle a dit, la crème contouring des yeux, parce qu'autour des yeux, des fois, ça fait noir ou bien on est fatigué. D'accord. Et puis, je repasse. Et la crème du soir. J'appelle ça la croix de Jésus. Qu'est-ce que je fais? Je mets un peu. Je fais ça. Il faut toujours faire visage et cou. Ouais. Et puis, je fais des mouvements circulaires. Et dormi. Le matin, je fais la même chose. La différence, c'est que le matin, il faut prendre une crème de jour. Et le soir, il faut prendre une crème de nuit. Entre-temps,
chaque semaine, il faut faire un bon gommage. Ouais. Il faut faire aussi un bon masque. Il ne faut pas gommer tous les jours, ce n'est pas vrai, ouais, parce que ça irrite la peau. Ouais. Voilà. Très bien dit. Alors moi, j'ai eu la grâce vraiment de ne pas avoir de problème de peau depuis petite. Okay. Le seul bouton que je peux avoir, c'est quand je vais avoir mes règles ou quand j'ai un palu. Du coup, je ne fais pas vraiment, entre guillemets, grand-chose, si ce n'est que de démaquiller. Hein, ça, c'est la base. Et j'ai trouvé d'ailleurs une astuce, c'est de démaquiller en prenant des lingettes mélangées à de l'eau micellaire. Okay. Et ça démaquille. Au lieu de prendre 5 lingettes, ah, surtout nous qui nous maquillons souvent, bah, t'en prends 2 ou 3 et ça fait déjà le travail. Et ensuite, je me nettoie le visage avec du savon de Marseille. Même pour le corps en général, je ne me prends pas la tête, c'est du savon de Marseille. Okay. En semaine, je dirais une fois ou deux fois par mois, j'essaye quand même de faire effectivement un gommage parce qu'avec tout ce qu'on met, il faut quand même qu'on nettoie la peau. Et j'ai découvert aussi pour les peaux plus ou moins sèches, le rassoul, la poudre de rassoul. Oui. Quand on mélange avec un peu d'eau, quand on finit bien sûr le gommage, on met le masque au rassoul. Et quand je rince, je prends un glaçon. Mm-hmm. Je prends un glaçon et je passe sur tout le visage, ça resserre les pores. Mais c'est vrai que depuis quelques temps, je dois avouer que... j'ai pas le temps de gérer tout ça. Donc, une fois par mois, je fais un soin à l'Institut, où là, franchement, ça fait du bien de se détendre, qu'on se fasse chouchouter, voilà. Mais c'est vrai que quand je peux, je fais cette petite routine-là à la maison. À la maison, ben, c'est bien, on apprend des choses aujourd'hui. Mmh. Ouais. Alors, moi, je suis un peu comme Aurélie, j'ai jamais vraiment eu de problème de peau, surtout sur le visage, donc je ne fais pas grand-chose. C'est vrai que je me démaquille tout le temps. Ouais. Il est important de ne pas dormir avec le maquillage. C'est clair. Mais surtout, c'est que je ne me maquille pas en dehors de la télévision. Ah oui, ça aussi. Parce que je n'aime pas le maquillage à la base. Je trouve que le maquillage me vieillit. Donc, à part la télé, là, quand je finis net, je suis démaquillée. Même quand vous allez me voir dans la rue, je suis toujours démaquillée parce que je veux laisser ma peau se reposer au maximum. Donc, j'ai juste un savon de visage, qui est un savon noir, qui est un mélange en fait très traditionnel, mais qui est hyper bon. C'est-à-dire, quand tu prends ça, tu n'as pas besoin de mettre quoi que ce soit, ta peau est déjà parfaite, sans rien. Donc, je prends ce savon-là. Ensuite, après des maquillages, bien sûr. Souvent, même quand je ne me démaquille pas, le savon me démaquille, même ça enlève tout. Mm-hmm. Et après, j'ai des vitamines C que j'utilise, que je mets juste pour le visage, comme ça. Ensuite, ma crème de nuit, le matin, mon savon, crème de jour, et c'est fini. Mais il faut dire que moi, je consomme beaucoup de collagène, donc je ne sais pas si c'est ça qui aide ou pas, mais en tout cas, je consomme du collagène et un peu de rétinol. Donc une fois en passant, je mets du rétinol en fait, sur la peau, parce que j'ai vu Eva Longoria, qui avait fait un témoignage, on lui avait demandé, aujourd'hui tu as 60 ou 50 ans, qu'est-ce que tu dirais à la fille de 30 ans pour avoir une belle peau et bien vieillir? Elle a dit, je dirais à la fille de 30 ans, de ne jamais dormir avec un maquillage et d'appliquer toujours du rétinol, parce que ça ralentit le vieillissement. Donc c'est, voilà. Et rétinol, il y en a de toutes les marques. Hein, mais je voulais juste rajouter quelque chose, c'est par rapport au gommage et tout ça, de l'exfoliation. Il faut savoir que ce sont des agressions. Les gommages, là? Oui, ça agresse la peau. Donc, il faut vraiment espacer le temps. Moi, je sais qu'il y a des fois, je vais chez ma dermatologue, elle touche ma peau, elle me dit, t'as pas besoin de soin. Même après 2 mois, 3 mois, elle me dit, t'as pas besoin de soin de visage. Ouais. Donc, il faut vraiment faire attention déjà au type de peau qu'on a et aller en institut. Pas dans le petit salon du quartier du coiffeur, le petit salon de coiffure du quartier. Allez vraiment vers des professionnels qui vont faire un diagnostic de votre peau et vous dire si vous avez besoin de soins ou pas. Parce que toutes les peaux n'ont pas besoin et surtout pas à la même fréquence. Je suis d'accord. Dire que le gommage et l'exfoliant, c'est deux choses différentes. Ouais. Pour faire la différence, le gommage, les grains sont plus gros. Et il y a un peu comme de la crème à l'intérieur quand vous vous gommez. Souvent, on dit gommage à l'abricot. Moi, je prends gommage à la poudre d'or. C'est très bon pour le visage. Que ce soit le gommage ou que ce soit le masque, c'est léger. C'est pour tout type de peau et ça n'agresse pas. En revanche, l'exfoliant, qui est plus petit, ça agresse la peau parce que ça gratte même comme du sable, tu vois. Ouais. Donc voilà. C'est vrai qu'il faut préciser aussi que on a encore tout le corps humain à faire. Il y a une crème de jour et de nuit qu'il faut quand même, en fonction des types de peau, il faut adapter. Moi, par exemple, comme j'ai pas le temps de gérer tout ça, j'ai plein de pommades qui traînent. J'ai une pommade qui fait et corps et visage. Ah. Donc je mets ça rapidement et puis je suis partie. Mais pour celles qui veulent crème de jour, crème de nuit, c'est important quand même de s'hydrater le visage. Vraiment. Ce que j'avais pas mentionné tout à l'heure. Alors, ça, c'était la tête. Maintenant, on va passer au tronc. Après la pub. De retour
toujours sur le plateau des femmes d'ici. On parle de nos astuces, de nos routines, tout ce que vous devez savoir sur nous. Comment est-ce qu'on s'entretient? Nous sommes toujours avec DJ Soro, Yasmine Rida, Aurélie Elia, Mekadi Touré. Alors, on a parlé des cheveux, on a parlé de notre visage. Bon, vite fait, notre haleine, la bouche. Qu'est-ce que vous mangez pour ne pas que votre bouche sente mauvais? Rapidement, vite fait, on ne va pas faire un tour de parole. Bonbon à la menthe et avoir un petit spray mentholé dans le sac. Petit spray mentholé dans le sac, très bien. Clou de girofle et bonbon à la menthe. Clou de girofle dans ton sac aussi. Dentifrice matin et soir. Mais et dans la journée? Dans la journée, ma bouche sent pas. Ah, d'accord, ok. Yeah. Très bien. Voilà. Réponse directe. Alors, ensuite, on descend maintenant à partie supérieure du corps, la poitrine. Comment vous entretenez votre poitrine? Bon, moi, en tout cas, ma poitrine, c'est quelque chose qui me coûte très cher, les filles. Ouais. Je me suis toujours dit dans la vie, si tu n'as pas beaucoup de fesses, au moins, il faut avoir une belle poitrine. Donc, la poitrine, pour ne pas que ça soit à 18h30, depuis très, très adolescente, j'ai toujours pris des glaçons. J'ai une amie, Mathilde, qui m'avait appris ça à l'époque. Tu prends les glaçons et tu fais un tour sur ta poitrine bien afin de pouvoir garder la peau ferme. Je prends des balles de tennis que j'ai à la maison, je tiens dans les deux mains et je fais ce geste-là régulièrement. À celles qui aiment bien les fesses, qui font le squat, moi, en tout cas, je fais ça pour garder ma poitrine très en forme. Et ensuite, je vais joindre un peu le professeur qu'on a eu. Moi, j'utilise l'argile, mais que j'achète à la pharmacie en poudre. Je mélange avec l'eau et le citron. Et j'ai des poudres de collagène que j'ai à la maison avec des pépites d'or, ça s'appelle comme ça, que je mélange. Et je fais passer tout autour. Je fais ça régulièrement. Si vous avez un copain ou un chéri, il peut essayer de faire ça pour vous. Et le dos. Il y a beaucoup de gens qui ont des boutons d'acné dans le dos. Donc, il faut savoir qu'il faut utiliser un gant de crin pour bien se laver le dos afin d'éviter ça. Passer. Éponge enfilée, là, ça ne fait pas le travail comme on veut. Ça, c'est sûr. Je suis d'accord avec toi. Didja, ta belle poitrine est due à quoi? Alors, depuis très longtemps, je pense que j'étais à l'université quand j'ai commencé à appliquer du beurre de karité sur ma poitrine. Ah. C'est un travail de longue haleine. Ça ne va pas marcher en deux semaines, en un mois. C'est, prenez du beurre de karité pur le matin. Moi, en général, c'est ce que je fais le matin. Je masse du bas vers le haut. Parce que c'est, voilà, c'est ce qu'on recherche. Donc, du bas vers le haut. Ensuite, je mets mon soutien. Je ne mets pas un soutien hyper serré. Je mets un soutien confortable, de sorte à ce que mes seins puissent respirer à l'intérieur, qu'ils ne soient pas compressés. Okay. Et puis, voilà. Donc, est-ce que vous dormez avec le soutien? Non, je ne dors pas avec. Non. Moi, j'ai toujours dormi avec les soutiens. Je ne peux pas dormir sans soutien parce que dormir sur la poitrine, si vous essayez pendant 3 jours, vous allez voir que ça aplatit un peu la devanture. C'est obligatoire. Donc, un soutien de nuit. Mais est-ce que dormir avec soutien, tu n'es pas serré? En fait, il n'y a pas de fer à l'intérieur. Ouais. Ça, ce n'est pas des soutiens de sport non plus. C'est vraiment des soutiens. Vous savez, un peu comme les nuisettes, là. Il y a toujours un truc qui dessine un peu les seins. D'accord. Au moins, ça maintient, même si c'est du coton. Il y a quelque chose qui puisse maintenir, parce que les seins, c'est un muscle. Oui. Tu enlèves, tu mets là, ça lâche. D'accord. Alors moi, depuis toute petite, c'est vrai que j'ai longtemps dormi avec les soutiens-gorge parce que j'avais tellement peur que mes soutiens, que mes seins tombent. Et c'est vrai que quand j'étais plus jeune, avec l'adolescence, mais en fait, mes seins ne poussaient pas, je ne sais pas comment expliquer, mes seins ne poussaient pas... C'était Saint-Papaye, on dirait. C'était, je ne sais pas comment expliquer. Oui, en fait, ça poussait droit. Oui, c'est ça. C'est donc du coup, j'ai eu cette crainte d'avoir les seins qui tombaient. Donc, du coup, j'ai toujours mis les soutiens-gorge. Et puis, ce n'est qu'il y a peut-être 2-3 ans, après que mon fils ait eu 6 ans, que je me suis dit, allez, quand tu viens du travail, tu es fatigué, tu as envie de respirer, Joe. C'est bon. Et puis, bon, Dieu merci, j'ai une poitrine encore qui tient, hein, la route. Ah bon? Mais oui, bien sûr, tu veux voir? Oui, je veux bien. D'accord, je vais te montrer après. Amen. Donc, et sinon, comme Didja le fait, beurre de karité. Beurre de karité, surtout quand, avec moi, j'ai une peau où j'ai eu quand même beaucoup de vergétures avec les grossesses sur le ventre. C'est ça. Donc, ça a commencé à venir un peu, tu vois, au niveau du début de la poitrine. Là. Donc, pour caler ça rapidement, bloquer ça, donc c'est beurre de karité, mais j'ai arrêté un petit peu depuis un an à peu près. Et ça ramène un petit peu de volume, un tout petit peu. Et puis, ça donne un peu quand même de volume. Un tout petit peu. D'accord, ok, d'accord. Alors, moi, je suis comme toutes les deux, DJ et Aurélie, j'applique du beurre de karité aussi. Alors, peut-être que je vais essayer aussi les glaçons. Mais pour l'instant, ça va. Je suis très, très, très satisfaite de ma poitrine. Mais il faut dire aussi que je fais quand même de petits exercices. Vous savez, il y a des petits exercices qu'on appelle du pilates au mur. Alors, c'est pas, nous, on n'aime pas trop le sport. Donc, on fait les petits, petits exercices stratégiques pour agir sur certains points. Comme moi, je fais des exercices pour les seins et pour les fesses. Parce que pour moi, c'est les deux choses qui
m'intéresse bien sur mon corps. Et même, ah oui. Et si vous n'avez pas la possibilité d'utiliser des glaçons, le jet d'eau froide, ça fait aussi l'affaire. Le jet d'eau froide, après c'est ce votre dit. Douche, vous calez un peu les lolos de. Ça être, mais bon, ça fait bomber les bouts. Hein. Oui, le, les tétons. Et de façon générale, c'est le tout froid, c'est froid, c'est tétons, ça n'a pas donné des sensations. Non, si ça te fait bander. Ah bon? Oui, ça fait bander. Ça fait que si tu ne fais pas attention, tu vas commencer à te masturber n'importe comment. J'imagine. Pourquoi j'ai préféré pas de l'eau froide? Non. Elle est là, depuis qu'elle est jeune. Ah ouais. Quand toi, tu viens d'arriver sur le terrain. Ouais. Donc imagine, déjà, mais quand tu enlèves ton soutien la nuit, c'est un. Ouais. Donc imagine maintenant si tu mets encore quelque chose qui est glacé. Ça wow. Non, non, franchement, moi, c'est un truc que je ne supporte pas. On va essayer pas, quand même. L'eau froide. Honnêtement, je ne supporte pas l'eau froide. Pourtant, il paraît que c'est très bon. Même pour se laver, je dirais pour le visage, mais pour le corps, là, quand on dit l'eau froide arrive comme ça, il n'y a pas l'eau là. C'est bon, il préfère tuer cabri. Non, la vérité, je ne supporte pas l'eau froide. Il y a des collagènes là que tu avales, ouais. Un peu comme des gélules, ou bien ça peut être des bonbons. C'est très important pour la peau, du ouais. Visage et aussi pour la poitrine. Mm-hmm. Parce qu'il y a un truc dedans, un ingrédient qu'on appelle rose hip. Ça permet d'avoir le bout des seins un peu rose. Mm-hmm. Voilà, c'est-à-dire quand tu vois certaines go, le bout des seins un peu rosé, quand c'est bandé, ça fait chic. Quand c'est quoi, il y a d'autres quand c'est bandé. Quand c'est un peu dur, ma chérie. Quand c'est bandé, la chacun, chacun est venu parler son français. Bon, d'accord. Bon, quand c'est un peu dur. Voilà. Quand mes seins ne sont pas durs. Donc, quand c'est un peu. Non, c'est pas ça. Il faut que le tétan soit dressé. Quand le tétan est dressé. Voilà. Quand c'est dressé. Sois ferme. Voilà. Quand c'est comme ça, là. Quand c'est. Exactement. Où ça arrive à faire comme ça. Et puis ça sort un peu. Voilà, où tu veux faire comment ça sort, bon, d'une manière, c'est ça. OK, très bien. On descend, le ventre. Qu'est-ce que vous utilisez pour votre ventre? Est-ce qu'il y a, si vous bon, avez, au cas où, si vous avez des vergetures sur le c'était ventre? C'était le beurre de karité également. Hein. OK. Beurre, à l'époque, quand j'avais mes deux grossesses, pour éviter justement que les vergetures, on va dire, s'agrandissent, c'était beurre de karité. Sinon, autrement, c'est pommade et abdos. D'accord. C'est tout. Moi, je n'ai jamais rien mis de particulier sur le ventre, en dehors de ma crème corporelle. Mm-hmm. Mais à l'époque, c'est vrai que ça, quand je dis ça, ça date. Mais demain, je reprends le sport. Attention. Mais à l'époque, c'était ça, abdos, planches, voilà, des exercices tout simplement pour garder le ventre ferme, mais pas de produits en particulier. Pas de produits. Bon, moi, comme depuis, je suis petite, EPS, mais je n'aime pas trop faire. Ouais. Voilà, donc après la cinquième... J'ai arrêté de faire le basket et puis soit en longueur, soit en hauteur. C'était très dangereux aussi. Donc. Et puis même chose, basket, comme je frappais mes camarades, donc bon, j'ai dû arrêter de faire pièce. Donc ce que je fais pour mon ventre, vu que la grossesse m'a donné des vergetures, au départ, quand tu es enceinte, là, ça gratte. C'est ça. Oui. On ne m'a pas dit qu'il ne faut pas gratter. En temps peur de carité, quand tu es enceinte, ça sent d'une manière dans ton nez, tu n'as pas envie de mettre. Donc ça m'a créé quelques vergetures. Donc j'ai appris à mettre des crèmes à base de coco butter. Mm-hmm. Mais le vrai, c'est pas coco butter que tout le monde peut aussi. Si. Voilà, vraiment cacao. Très lourd. Là. Le beurre de coco. Non, mais c'est pas pareil. Cacao. Beurre de cacao. Donc j'applique dessus régulièrement. Et je vous dis que, oui, comme elle a dit, c'est pas sur place. Mais vous allez voir, au fil des années, ça va s'estomper. Maintenant, j'applique une lotion spéciale qui sent un peu comme... Vous vous rappelez de l'huile rose là, qui se vendait partout? Ouais, c'est l'huile naturelle. Comme... Ce que j'applique dessus, mais c'est pas... Ouais, c'est la marque que j'utilise ouais. Et je mets sur mon ventre. Je vous dis que depuis que j'ai commencé à utiliser cette huile et ça hydrate la peau, vous allez voir que vos vergetures vont commencer à s'estomper. Mm-hmm. Aujourd'hui, je n'ai plus les vergetures, les traces d'anango, par exemple. Mm-hmm, mm-hmm. Voilà, ça a changé. Ça, c'est, pas avant, mais c'était un anango même. Oh là là. Yeah. Comme si on t'avait griffé. Donc, je portais caleçon qu'en haut. Non, mais demain, c'est taille haute. Taille de caleçon. Il y a quand il y a des caleçons, mais derrière, en stringas. Hein. En stringas. Donc, quand tu parlais, moi, un peu, c'est quoi hein. Non, pour enlever, j'étais gênée. C'est vrai. L'homme, même si tu as fait par là, il parlait, dit dehors, t'as dit que tu as fait, j'ai tué. En temps, ça accouche. Donc, depuis que j'utilise ces produits-là, vraiment, ça s'est estompé et ça a commencé à prendre la couleur de ma peau. Mmh. Donc, on voit moins. Ça, c'est vraiment bien. Ça, c'est vrai, je suis d'accord. Alors, moi, ma chance, c'est que quand j'étais enceinte, enfin, pour les deux grossesses, j'ai fait une erreur, enfin pas que j'ai fait une erreur. Pour moi, les vergetures venaient que sur le ventre. Donc j'appliquais toujours du beurre de karité sur le ventre, toujours, toujours. Du coup, j'ai pas de vergetures sur le ventre du tout. Par contre, je savais pas que vergetures partaient partout. Ah. Tu vois. Donc ça fait que ça m'a laissé genre une trace là, et ça m'a laissé aussi genre sur les pieds, tu vois. Mais ouais, okay. Par contre, voilà, parce que moi j'étais à 107 kilos quand j'étais enceinte. Oui, ouais, de 87 kilos après de 100 et quel plus de 100 et quel kilos. Donc mon ventre, Dieu merci, il y a pas de vergetures, il y a rien.
Mais c'est le beurre de karité, effectivement, qui a fait qu'il n'y a pas eu ça. Mais bon, maintenant, ce que je fais pour les autres vergetures qui sont là, c'est effectivement de l'huile, mais très hydratante. C'est ce qui m'a emmené à prendre beaucoup de collagène, mm-hmm. beaucoup de vitamine C, beaucoup de produits. Comme je voyage, Dieu merci, ça fait que j'ai... Il y a vraiment des produits de dernière technologie qui sortent pour faire en sorte que les vergetures se confondent tellement à ta peau qu'aujourd'hui, on ne sent même pas, en fait, que tu as quoi que ce soit. C'est vrai que c'est assez fin, mais moi-même, là, je vois et je sais. Ensuite, ventre, maintenant vos aisselles. Comment est-ce que vous vous épilez? Est-ce que c'est rasoir, c'est cire? Alors, pendant longtemps, j'ai utilisé le rasoir. Quand j'étais au collège, au lycée, et tout ça, j'utilisais le rasoir. Même, je pense, encore à l'université. Hein. J'utilisais le rasoir. Et puis, depuis quelques années, je fais l'épilation à la cire. OK. Donc, ça, c'est un peu douloureux, j'avoue, mais ça aide à estomper. Parce que savoir que le rasoir va, au fur et à mesure, irriter la peau. C'est ça. Donc, tu auras les aisselles noires. Mais quand tu commences à utiliser, à changer ta technique d'épilation, donc c'est passer du rasoir à la cire, ça, au fur et à mesure, bon, c'est pas devenu comme ma peau. On voit clairement la différence, mais je fais ça et je fais aussi des gommages. Ah, c'est des gommages là-bas. Oui. Mmh. Après l'épilation, la peau est encore un peu fragile, donc je laisse 2-3 jours. Je prends un gommage, le gommage que j'utilise pour mon corps. Je fais un gommage bien au niveau des aisselles. Je mets une huile hydratante et puis voilà. Maintenant, après la douche, le citron, le traditionnel citron, même si vous pensez que vous sentez bon, on ne sait jamais. C'est vrai. Le citron, un bon déo, un déo sans sel d'aluminium de préférence. Mmh. Voilà. Très bien, c'est bien. Alors moi, j'avais l'habitude de m'épiler à la cire quand j'étais plus jeune. Parce qu'on avait des tatas Marcori résidentielles, des tatas libanaises, qui avaient des dames qui... Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la longue, avec la cire, ça fait tomber la peau. Puisqu'on tire, on chauffe, on tire, on chauffe, on tire. Donc quand les dames m'ont dit ça, je dis, ben, j'ai pas envie que ma peau tombe, en fait. Donc du coup, j'ai commencé à utiliser le rasoir comme tout le monde. Mais comme elle l'a dit, le rasoir, ça irrite. Parce que le rasoir, ça ne fait que casser le poil, tandis que la scie, ça va jusqu'à la racine. Donc ça dure plus. Donc maintenant, tout simplement de la crème épilatoire. Mais une crème épilatoire vraiment sans rien dedans. Je prends le temps de lire. Mais une marque toute simple ivoirienne que j'utilise, c'est même pas forcément des marques de blanc. Je mets là-bas, j'enlève. Et ce qui se passe, c'est qu'il faut savoir que quand tu rases ou que tu passes à la cire, avant de mettre, il faut toujours mettre de l'alcool. L'alcool, c'est ce qui empêche les boutons. Ouais. L'alcool, c'est ce qui empêche la noirceur justement des aisselles et plein de choses. Donc, je mets toujours de l'alcool, même si après, je vais prendre ma douche. Et puis, j'utilise mes déodorants. Mais des déodorants, on va dire, sans parfum. Voilà, c'est des déodorants neutres. C'est-à-dire, vous avez des déodorants, quand tu mets, ça fait blin, blin. C'est ça qui est bon pour les aisselles. Ou alors des rollers, mais des rollers qui sont des antiperspirants. C'est pas transpirant, mais perspirant, c'est comme ça que ça s'appelle. Et avec ça, vous durez 24 heures. Le citron, comme je fais des bains de citron, mais on en parlera plus tard. Bon, très simplement, rasoir. Même pour tout le corps en général, c'est rasoir. D'accord. Je préfère le rasoir. Après, quand je finis, c'est la pommade. Mais j'en mets un peu plus que d'habitude, puisque justement, la peau est irritée. Et puis, un déodorant sans alcool. Okay. Sans alcool, en roll-on ou bien en spray. Mais je précise sans alcool, parce que l'alcool, pour moi, ça fait plus transpirer, j'ai l'impression. En fait, ça donne... L'odeur est plus forte. D'accord. Alors que sans alcool, au moins, je peux tenir toute la journée sans odeur, sans transpiration. Quoi. Alors moi, j'aime la cire, mais bon, avec ce que j'apprends, là, il faut que je vois. J'aime bien la cire, mais pour ne pas que ça fasse mal, je me rase d'abord. Parce que c'est quand les poils sont longs que quand on tire, ça fait très mal. Donc si tu as réussi à enlever ou bien tu as pris un... Mais tu fais ça combien de fois? Tu espaces ça en comment? Comment ça? Mais comment tu as rasé? Mais je rase. Tu rases à quelle fréquence tu fais à la cire pour que les poils deviennent longs? Non, mais normalement, en fait, souvent, là, quand tu fais à la cire, ça te fait très mal. Tu oublies, tu as peur de reprendre. Moi, j'ai trop peur de la douleur. Donc, je préfère raser d'abord avec ce truc-là. Là, il reste petit. C'est qu'il reste là, petit cacaba, là, il m'enlève à la cire. Mais ça dure moins. Avant de repousser. Oui, ça dure avant de repousser. Ah, ça fait l'effet toujours. Oui, bien sûr, ça fait l'effet. Alors, tu vois. Et il y a aussi, comment on appelle ça, un sérum que je connais. Enfin, que j'utilise, c'est un sérum qui est anti-poussant ou bien anti-quoi, je ne sais pas, c'est-à-dire ça ralentit la pousse. Okay. Voilà, la pousse. Donc quand tu mets, franchement, tu en as pour un bon bout de temps sans avoir des aisselles. Et puis déodorant, citron, non, pas vraiment, puisque je fais des bains de citron, donc pas vraiment. C'est ça, je conseille souvent aux gens qui ont de fortes odeurs de prendre aussi des pierres d'aloe qui coupent vraiment les odeurs. Pour tous ceux qui sont dans le besoin. C'est quoi pour la veste, escargot, là ? Ouais, blanc. Blanc. C'est ça, exactement. D'accord. Voilà. Ensuite, on descend maintenant à la partie
inférieure du corps. Ah, c'est ce que j'ai appris. Yasmina, comment est-ce que tu entretiens la partie inférieure de ton corps? Merci. Comment tu fais pour avoir des fesses galbées, rebondies? Comment tu fais pour ton intimité? Merci beaucoup, mes soeurs. Yeah, c'est un sujet même que j'attendais depuis même. Ouais, ça, je sais. Voilà, attends, il a porté mon rouge à lèvres rouge, je me suis bien posé. Alors, au niveau de ma partie intime, non, mon conquistador, j'aime bien l'appeler comme ça, et j'épile. Avant, j'épilais le rasoir, comme je vous ai dit, ça donnait de gros boutons, ouais. On dirait furoncle. Et quand tu te déshabilles, tu es gêné, parce que c'est le furonglace même, c'est-à-dire c'est le marché de furoncle qui est là-bas. Donc, quand le monsieur fait le lapéro, c'est gênant, parce que ça fait des dunes. Donc, des dunes. Donc maintenant, ce que je fais, la scie aussi, ça fait tomber la peau du conquistador. Si tu as une peau ferme, tant mieux. Là que ça met du temps avant de tomber. Si tu as une peau un peu truc, c'est... Oh, le conquistador est tout léger. Donc je mets la crème à épiler. Je mets la crème à épiler, mais je respecte les minutes plutôt. Et puis j'enlève correctement. Quand j'enlève, maintenant, je m'accroupis comme ça. Parce que si elle fait quoi, c'est vrai, c'est risque vrai, de me blesser. Oh, si elle a un miroir en bas, au moins. Oh non. Mais parce que je connais. Oh, mais je sais que c'est d'une manière très bonne. Mais c'est elle ça, a fait d'un esprit. Un jumelage d'une manière. C'est ce que je fais, le miroir. Comme ce que tu m'as montré, peut-être en cœur. Moi, elle peut vous montrer. On ne dit pas ce qui est. Ah, bon, tu ne m'as pas montré, d'accord. Okay. Donc, et puis quand je finis de faire, je jette le rasoir. Parce que souvent, quand il rase le rasoir là-bas, vous, si tu as fait Eric et tu as laissé ton rasoir, ton mari a pris une odeur dedans. L'odeur sur le rasoir, ça reste. Non, même si tu t'es lavé, comment les poils, même ça n'a pas odeur. Maintenant, l'huile. J'ai une huile que j'utilise pour mon corps, mais si vous n'avez pas cette huile, vous pouvez prendre l'huile d'olive. C'est important de mettre l'huile là-bas pour hydrater, pour ne pas que vous ayez des irritations. Ouais. Pour ne pas que quand tu ailles aux toilettes, que tu veux faire tant, tu sens que tu es blessé, ta culotte même commence à te gêner à un moment donné. Très belle illustration. Et je lave ça avec des produits sans parfum, des produits neutres, mais pas toujours. Et quand je lave, j'évite de mettre mon doigt à l'intérieur. Donc, je lave sur la... ici. Comme tu as dit dans la vidéo, sur la surface, là. Ouais. Je lave surface et... réparatrice. Au milieu. Merci pour la leçon. Très bien. Bravo, c'est une belle. C'est là, Salomon, non? Non, on n'a pas encore arrivé dans le pire. Ah, ouais, non, il est fini. Pour l'instant, si quelqu'un peut battre, c'est que Yasmine là. Non, jamais. On va la suivre et puis on revient. Jamais, jamais. De retour sur le plateau des femmes d'ici, on parle de nos astuces beauté, de nos routines. Et là, nous sommes sur nous sommes à la partie inférieure du corps. D'accord. Dija, oui. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Middle part. Ouais. Alors, c'est toujours l'épilation à la cire pour moi. Ouais. Sauf que je suis pas du tout douillette, donc ça va. Voilà, douleur. Aïe, aïe. Ah ouais. Donc, toujours épilation à la cire et ça met un peu plus de temps à pousser. Ça, donc, ça. Je ne vais pas régulièrement voir l'esthéticienne. Et c'est devant et derrière. Ouais. Donc, tu épiles devant la et derrière. La première fois, c'était hyper gênant parce qu'en fait, la dame a dit, madame, on fait derrière. Je dis, quoi? On fait derrière. Je dis, OK. Mais franchement... Tu t'es mise à quatre pattes. Tu t'es mise à quatre pattes, mais tu as éclaté. Oui, je me suis retournée. Non, tu te tournes forcément. Oui, dis, arrête de faire comme tu as honte. Vous avez trop gâté l'émission, là. Je me suis retournée, je t'ai dit fourchon comme ça. Et elle me met l'œuf. Elle est quatre. Non, c'est fou. Je sais, elle est gênante. Mais maintenant, je suis rodée. Non, mon mec, il fait mes places. Ça m'a rendu opposé. Il y a mes places super derrière. Voilà. Voilà. Et tout de suite après, je fais un soin qui est un peu connu, qui s'appelle le vagiacial. Donc, il va consister à venir retirer tous les poils incarnés. Vraiment, quand tu finis de là, c'est comme un bébé, quoi. Il y a zéro poil et tout. Et une fois que j'arrive à c'est la maison... C'est pas mal, hein? Si, un petit peu quand même. Un tout petit peu. Passe le bout. D'accord. Et quand j'arrive à la maison, je mets tout de suite de l'huile. La même huile que j'utilise pour les aisselles, je mets. Et je mets l'huile tous les soirs. Parce que comme Yasmine a dit, c'est hyper important que ce soit hydraté. C'est une huile hydratante. D'accord. Peu importe l'huile d'amande. Moi, j'ai pour moi ma marque même qui était donnée. Mais voilà, c'est important que ce soit bien hydraté, justement, pour éviter tout ce qui est poils incarnés, taches, boutons, etc. Donc, il faut hydrater aussi là-bas. C'est pas une zone qui n'a pas besoin de soins, en fait. C'est une zone qui a besoin de soins aussi. Et puis, voilà, c'est tout. D'accord. Non, moi, je vous dis... À faire du... Comment on appelle ça? Épilation. Moi, j'ai accouché deux enfants sans péridurale, mais épilation, ça fait très mal. Et j'avais fait ça, j'avais essayé de le faire. À la cire, tu veux dire? Épilation à la cire, ça fait très mal.
J'avais essayé de le faire, j'ai fait 2-3 fois. Après, ça m'a saoulé, je suis revenue au rasoir, au bon vieux rasoir. Mmh, par contre, c'est un rasoir avec triple lame. Ouais. Voilà, ça triple lame. Et puis, tu vois, au-dessus du rasoir, là, il y a une sorte de petite mousse qui met. Si, je connais. Fait que ça glisse, là. Mmh. Donc, quand tu passes une fois, deux fois, c'est bon. Donc, ah, en général, j'utilise donc le bon vieux rasoir. Après, quand je finis... Sec. Non, avec du bon savon. Et j'utilise comme le savon de Marseille. Moi, c'est le savon de Marseille pour tout le corps. Et puis, ça ne donne pas... Si tu ne dures pas trop avec le savon, ça n'irrite pas, en fait. Mm-hmm. Donc, rasoir. Ensuite, quand je finis, je me rince, je rince bien. J'utilise une... comment on appelle ça? Tu vois, les soins... pour les soins vaginaux, les liquide, là. Comment on appelle ça? Laver le truc, là, voilà. Mm-hmm. Un truc hydratant, désinfectant. Ouais. Donc, je mets et ensuite, je fais passer. Par contre, là, la douche froide, l'eau froide. Là, ça fait du bien, là-bas, parce qu'il y a une sensation. Ça fait du bien, parce que j'aime bien, tu vois, me sentir fraîche, me sentir, donc... Bon, voilà. Par contre, l'huile de coco, je fais fondre. Non, je mets pas l'huile de coco, le beurre de karité, mm-hmm. fondu. Okay. Je fais fondre un peu quand j'en mets juste un peu. Ouais. Et ça protège pour pendant des semaines. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et je vais pas rebondir encore parce que sinon on perdra du temps. Ce que moi je vais donner comme astuce, parce qu'effectivement, mais moi c'est la cire là-bas, huile et tout. Sauf le vagacia, là, peut-être qu'il faut que j'essaie. Mmh, mais sinon, avec l'huile et tout est bien propre. Ce qui est intéressant, et ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est comment avoir des fesses rebondies. Mmh. De grosses fesses bien rebondies, sans avoir recours à quoi que ce soit, comme BBL et tout. Enfin, peut-être dans 40 ans, on va faire BBL, mais pour l'instant, non. On ne fera pas même. Voilà, tant que vous pouvez, pour avoir des grosses fesses rebondies, il faut... Mmh. Allez, il y a plein de gens qui font des squats. Il y a plein de gens qui font des squats, c'est-à-dire genre des squats comme ça, mais puis ils ont l'impression qu'il n'y a pas de résultat, en fait. Oui. Mais il faut faire ce qu'on appelle des sumo squats. D'accord. Donc les sumo squats, c'est que tu écartes beaucoup plus les jambes. Bon, là, je suis en talons, je ne sais pas si je vais y arriver. Je vais enlever les talons. Non, ça va, je vais faire en talons, c'est bon. Alors, donc, il faut écarter bien les jambes au maximum et puis tu descends au fond. Silence. C'est-à-dire que quand tu descends au fond et que tu remontes, donc ça fait ça, vous voyez? Non, je ne vois pas bien. Non, j'ai pas vu. Ça m'a rien nommé. Hein? Donc, comment tu fais? Moi, je suis grosse, faut que tu m'appelles. Donc, tu écartes vraiment bien les jambes, mais tu fais du sumo squat, d'accord? Donc, tu descends là, et puis tu remontes et tout. Donc, ça va faire que ici... Comment on fait bouger ça? Non, mais tu fais. Vous avez les fesses qui sont comme des foutous. C'est-à-dire que c'est vraiment bien rebondi et tout. Et après ça, vous pouvez faire ce qu'on appelle... Il y a un truc qu'on fait par derrière, c'est-à-dire... Par derrière. Il faut surtout faire comme ça. C'est-à-dire le truc qu'on fait comme ça. Plutôt que de faire genre comme ça devant. Il faut faire par derrière. Et ça soulève les fesses. Vraiment, j'ai en salle de sport. Et si tu fais du sport justement en salle, il faut faire avec... Faut te tourner. Avec des poids. Je veux que tu nous expliques quelque chose. C'est pas mauvais. Attends, c'est pas méchant. J'ai pas dit t'as tout truc. Comment on fait pour faire bouger ça? C'est le muscle ou bien on ferme? Gina, ça là. Ça, tu sais pas faire. Fais, ça là. Oui, comment on fait? C'est le muscle, mais c'est quoi qui fait ça? C'est comme les hommes qui font leur truc et puis leurs épaules bougent. Ah, là. C'est le muscle, oui. Alors que nous, on pensait qu'on faisait comme ça. Non. Avec un pied, ça veut dire nous, on cale un pied, un côté. Ah, ça c'est comme... Tu vois la chanson? Cale un pied, là-bas. Comme... Cuitata. Non, ça c'est la danse, c'est pas pareil. Quand tu es habitué au fur et à mesure que tu fais, croyez-moi, c'est un truc qui marche, mais de tonnerre. Vous pouvez voir un résultat en moins de 2 semaines même. À ce temps, ça t'a donné des fossettes qu'on fait, apparemment. Des fossettes. Des fossettes, André, c'est bien fausseté. Je n'ai jamais entendu ça, les fossettes. D'accord. Alors. Les fossettes aux fesses. Donc, ça c'est vraiment pour la partie du bas du corps. On applaudit. C'est la meilleure partie de l'émission que tout le monde va nous voir plusieurs fois. Alors, en plus, quand on a fini avec cette partie du corps, comment vous faites vos pieds? Est-ce que vous avez des poils aux pieds? Oui. Comment vous épilez? Pour les pieds, je prends une mousse à épiler et un rasoir pour les jambes. Mousse à épiler, rasoir. Mousse à épiler, rasoir. Ensuite, hydratation à fond. Alors, par contre, moi, j'ai une peau qui est très sèche. Okay. Donc, ce que je fais pour hydrater ma peau, c'est que c'est crème hydratante plus huile hydratante. Okay. Les deux, voilà, je mélange et ensuite, après, tout va bien.
Très bien. Mais pareil aussi, moi j'ai de la chance, j'ai pas les poils qui poussent vite. Donc une fois que j'utilise le rasoir, ça met 2 semaines avant de commencer à pousser. Mais sinon, rasoir, triple lame et puis pommade. Super. Moi, toujours crème à épiler sur les jambes, pareil, parce que moi j'ai quand même assez de poils. Et même les bras, hein, parce que bon, le sang arabe, ça ne monte pas. Mm-hmm. Donc je fais ça pour les pieds. Je mets la même chose, hein, mon huile hydratante et ça passe. D'accord. Ta journée commence à quelle heure, Yasmine ? Alors, 4h du matin. Ouais. Parce qu'à 4h du matin, je veux me réveiller pour prier, mais malheureusement, j'ai un autre réveil qui me prend rapidement. Oui. Monsieur, lui, le matin, il te réveille d'une manière. Il va le bâtonner, donc quand je me réveille... Ça m'énerve, mais je suis dedans, j'ai fait. Donc tu fais l'amour le matin? Je suis obligée de faire l'amour à 4h, sinon il va penser... Chaque 4h du matin? Oui. C'est un exercice. Hein. Oui, mais ça m'a fait maigrir aussi 2 jours. Là. Ah, ok, ensuite. Donc 4h du matin, quand il finit de faire l'amour, quand il me réveille maintenant vers 6h, 6h, je fais un peu ma prière. Quand il finit de faire ma prière, automatiquement, j'ai le temps d'aller brosser mes dents. Monsieur a déjà fait le thé. Quand il boit le thé, directement au WC. Ok. Mais dès que quelque chose de chaud rentre dans le ventre, il faut que j'aille m'asseoir pour l'éliminaison. C'est comme une manière de me purger, quoi. D'accord. Voilà. Une fois que je sors des toilettes, en même temps, je commence à prendre ma douche, je gomme mon corps. Si le jour-là, s'il a bien fait, donc il fait gommage et éclaircissement rapidement. S'il n'a pas bien fait, il me lave n'importe comment. Puis je sors de la salle de bain. Okay. Et quand je sors de la salle de bain, je finis de me pommader. Quand je me pommade, maintenant, je cherche l'habit que j'ai porté. En général, il aime qu'on dépose l'habit qu'on doit porter la veille si on a un grand rendez-vous. Donc, c'est là, maintenant, je porte mon habit et puis je prends la clé de ma voiture. Je finis de prier et je sors de ma maison. Très bien, belle routine. Matin. Aurélie, ta journée commence à quelle heure? Alors, je suis une très grosse dormeuse. Je suis une marmotte. J'ai beaucoup de mal. J'ai toujours essayé de me réveiller vers 5 heures du matin pour prier, mais que Dieu me pardonne, mais je prie un peu plus tard. Ouais. Mais par contre, je suis obligée de me réveiller un peu tôt parce que les enfants vont à l'école. Donc, réveil 6h, 6h30. Petit déjeuner avec eux. Enfin, ça dépend. Hein. Souvent, je les laisse. Je suis dans ma chambre. Et ensuite, il prend le petit déjeuner, le temps de les apprêter avec la nounou. Ils vont à l'école et moi, petit déjeuner et puis douche, brossage de dents, toilette. Tu vas aux toilettes beaucoup? Et tu vas au WC toi aussi? Tu vas beaucoup au WC? Ah oui, mais je fais popo des fleurs. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc, tout le monde va aux toilettes les matins. C'est que tu as fait des fleurs. Donc, tout le monde va aux toilettes les matins. Cendrillon, elle va popo des fleurs. Mais oui, mais des fleurs. D'accord, on a bien compris. C'est qu'elle l'a laissé dans le vestiaire le jour-là. D'accord. Toi, tu as parlé. Moi, c'est un peu pareil. 5 heures du matin, debout pour prier. Mais ensuite, il faut que je dorme encore parce que c'est le sommeil là qui est plus chic. Donc, je vais dormir, je vais me lever vers peut-être... Alors, moi, je ne me lève pas forcément toujours pour voir les enfants partir à l'école parce que quand je me lève, ils ne veulent plus partir à l'école. Ils veulent se coller. Surtout mon dernier, là, il va pleurer. Donc, c'est mieux quand je ne les vois pas. Et puis, je dors bien. Je me réveille vers 8h, 9h, parce que je mets beaucoup de temps pour m'apprêter. Je cherche habits, je cherche ci, je cherche ça, je reste en train de réveiller mon téléphone. Je mets trop de temps. Et donc, il faut que je me lève tôt pour apprêter ça. Et ensuite, je vais chercher qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui, qu'est-ce que je vais manger demain, qu'est-ce que je vais manger. Ensuite, un peu de peau, mais pas vraiment. Pardon? I beg your pardon. Alors ensuite, j'ai mon bol de petit déjeuner qui vient avec moi au travail parce que la fille avait fait les fruits là pour moi, beaucoup, elle met dans un bol, paf, travail et je suis avec vous ici. Et toi, Adija? 5h, 5h15, 5h30 max, ça dépend des jours. Et puis prière, et puis un peu de lecture, ça dépend... Hein. Des fois, je vais écouter la musique. Enfin, vraiment, ça dépend des jours. Ouais. C'est ça. Je ne vais pas tous les matins au popo, même si c'est très recommandé, parce que moi, voilà, je suis très constipée. C'est ouais. Bon, je l'ai dit. Ouais. C'est bon, aujourd'hui, on avoue, on dit des choses. Ça va mieux. Ça commence à aller. Ça va mieux. Donc voilà, ensuite, je vais prendre ma douche, m'apprêter correctement et venir au travail. Quoi. Enfin, je ne prends pas de petit déjeuner tous les matins. Ça dépend. Des fois, un petit smoothie rapide, fruits rouges, lait. Et puis... La blanche. Les blanches. Alors, voilà un peu, on s'est confessé. On a partagé avec vous nos astuces. Et Didja, tu gardes la parole parce que tu vas nous partager ta rubrique, ta première rubrique de la 4e saison, Enquête d'ici. Jingle, s'il vous plaît. Alors, pour cette première enquête, j'ai décidé de me pencher sur le Brazilian Butt Lift, a.k.a. BBL, hein, comme son nom l'indique. C'est une technique de chirurgie esthétique qui vient du Brésil et qui a pour but donc, de regalber les fesses. Donc, on va prendre de la graisse dans le corps de la patiente, qu'on va traiter et ensuite réinjecter dans le tissu graisseux des fesses. J'en parle aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de pubs autour du BBL,
mais on ne sensibilise pas assez sur les conséquences et sur les dangers du BBL. Ouais. Donc, c'est, comme j'ai dit tantôt, cette technique-là vient du Brésil, mais elle a été popularisée, vulgarisée par la très célèbre Kim Kardashian. Et ça s'est très rapidement répandu en Europe avec des influenceuses comme Mila Jasmine, Maëva Guénam, Léa Marie et d'autres chanteuses, pour ne citer que celles-là. Et puis, plus récemment, beaucoup de célébrités africaines s'y donnent à cœur joie, donc pour parler du BBL. Voilà, ça ne réussit pas toujours, malheureusement. Alors, donc, ouais. Comme je disais tantôt, on prend de la graisse dans le ventre, donc ça vient avec un lifting, puisqu'on va prendre, en général, des bras, on prend de la graisse dans le corps de la patiente, mais il faut que l'endroit où il y a le plus de graisse, c'est évidemment le ventre. Donc, on utilise la graisse du ventre qu'on va traiter, ensuite réinjecter dans les fesses. Ce qui se passe, c'est qu'on a affaire à deux types d'injections. Il y a une injection qui est très profonde et il y a une injection qui est peu profonde. La meilleure technique, bien évidemment, c'est l'injection qui est peu profonde, parce qu'on injecte la graisse dans le tissu graisseux directement. L'autre technique vient, on va injecter la graisse dans le muscle, sauf que, et c'est ce qui coûte à peu près moins cher, donc c'est ce qui est très répandu, et cette technique-là est hyper dangereuse. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'elle peut créer une embolie graisseuse. Donc la graisse va rentrer dans les vaisseaux, et donc, c'est potentiellement mortel. Il faut savoir qu'une femme sur 3000 meurt du BBL, des conséquences du BBL. Parfois, les cicatrices s'ouvrent à cause d'une infection. Ouais. Donc, avant de faire un BBL, il faut s'assurer qu'on a affaire à un excellent praticien et qu'on y a mis les moyens. Il y a plein de cliniques du Maghreb qui font un peu une sorte de repérage sur les réseaux sociaux, qui rentrent en contact avec des influenceurs qui leur proposent le BBL contre des vlogs, de la pub en général. Et c'est vraiment pas à conseiller. Ouais. Donc, une femme sur 3000, moi, je veux bien qu'on retienne ça, une femme sur 3000 meurt du BBL, ce qui rend aujourd'hui le BBL la technique chirurgicale la plus dangereuse. Ouais. Donc, ce n'est pas anodin, ce n'est pas une simple affaire de rhinoplastie ou de lifting du visage. C'est vraiment, et c'est hyper douloureux. Ouais. Les conséquences peuvent être très graves. Ça, c'est vraiment les ratés. Voilà, faut savoir que... Ça fait pitié, oh. Celle-là, elle a voté au courant, mais... C'est vraiment des ratés de BBL que vous pouvez constater. Ouais. Alors, quand on est hyper fine, évidemment, vous n'avez pas suffisamment de graisse. Donc, ils vont rajouter de l'acide hyaluronique qu'ils vont vous injecter dans les fesses, qui ne va pas se dissoudre correctement. Et donc, il va créer des espèces d'œdèmes et de gros caillots qui rendent le BBL hyper dur, vilain, qui tombe parfois et qui s'affaisse. Incroyable. Donc, un BBL coûte entre 5 000 et 10 000 euros. Donc, ce n'est absolument pas les 2-3 millions que vous versez dans des pays du Maghreb dont je vais taire le nom. Le BBL coûte cher, l'entretien coûte cher. Parfois, certaines disent qu'elles le font parce qu'elles n'ont pas envie de faire de sport. Mais au contraire, le BBL s'entretient avec du sport. Donc, correction de l'alimentation et activité sportive régulière une fois qu'on a bien cicatrisé. Donc, ce n'est pas un palliatif au sport. Si vous avez envie d'une belle silhouette, vous pouvez vous mettre au sport. Et si jamais vous tentez le BBL, assurez-vous que vous le faites chez les meilleurs. Ouais. Et ensuite, assurez-vous d'avoir une excellente hygiène alimentaire parce que votre BBL peut partir. Non. Voilà. Merci. Bravo, Nidia. Bravo. Bah, c'est très bien. Au nom de Jésus, c'est ne fera pas de BBL sur ce plateau. Mais c'est pour ça que je vous ai montré la technique. Je vous ai dit qu'avec ça, vous pouvez avoir des fesses comme du BBL. C'est pareil, c'est bien non. comme ça. C'est plus lent, mais c'est plus safe. C'est plus lent, mais c'est plus safe. C'est même pas plus lent parce qu'en réalité, quand tu vas faire le BBL, c'est vrai, les résultats sont truc, mais au bout de combien de temps? C'est au bout de 6 semaines. Au bout de 6 semaines, après, il faut 6 mois même pour s'adapter. Alors que si au bout de 6 mois, tu fais tes squats, ouais. Hein, et il y a d'autres alternatives, même on en parle, il y a le VelaShape, quand tu vas dans des instituts aujourd'hui qui te proposent des machines qui te permettent de regalber avec un peu d'effort, il y a le truc avec le bois là aussi. Là. Oui, mais ça dépend, mais il faut accompagner toujours ça de sport. En fait, c'est parce que les gens sont paresseux et ils ont l'impression que les choses sont longues. Ce que, par exemple, le sumo squat là, le matin, tu fais 10. Ça dit que ce n'est pas beaucoup, hein. Tu fais 10. Si moi, le soir, tu rentres. Ce que je vous ai montré tout à l'heure. Elle a fait deux trucs, c'est lequel? C'est ça, c'est le premier. J'aime ça. Premier. Hein. Vous faites 10 le matin. Le soir, vous n'allez même pas transpirer. Vous n'allez pas être fatigué. Et vous allez oublier. Mais vous allez rendre compte qu'au bout de 2 semaines, vous allez voir quelque chose qui est en train de sortir et qui est en train de se dessiner, surtout. C'est important. Hein. Ouais.
Bon, il ne faut pas me demander pas si je ne me rappelle plus. Est-ce que tu as fait mon cap? Mais ce qui est important, oui. Là où je suis assez contente, en fait, c'est que vu que la promotion du bébé, elle se fait grâce aux réseaux sociaux, donc ouais. TikTok, Snapchat et compagnie, des médecins ont pris sur eux de faire de la sensibilisation. C'est bien. Bien que ça leur permette de gagner leur vie, mais ils disent, attention, c'est hyper dangereux. Voici ouais. les conséquences que vous pouvez avoir quand vous faites le BBL. On a vu récemment une fille de 25 ans qui est décédée, là, non? Qui a fait le BBL. Non, ce n'est pas le BBL, par contre. C'était une autre histoire. Mais c'est vrai qu'il y a des décès. Il y a des décès. Ouais. Il y a des décès et une personne sur 3000 pour de la chirurgie esthétique, c'est énorme. Et tu prends ton argent, tu vas payer mais quelqu'un. Pour aller mourir. Pour aller mourir. Il faut savoir aussi qu'en ce qui concerne la chirurgie esthétique, au niveau de la Turquie et des pays maghrébiens, ils peuvent vous enlever un maximum de graisse parce qu'il y a quand même des degrés. En ce qui concerne les pays européens, il y a une limite. Mm-hmm. Et après cette limite, ils refusent carrément d'enlever. Ah, parce que, donc ouais. les gens préfèrent aller dans ces pays-là où ils peuvent enlever plus de graisse pour avoir vraiment les formes qu'ils veulent. Donc par exemple, le 360... qui est le ventre, le dos et tout ce qui va avec, parce que 360, c'est quand même le truc. C'est ça. Eux, ils vont plus dans ces pays. En France, ils enlèvent, mais ils n'enlèvent pas tout. Hein. Parce qu'il y a une limite. On ne peut pas t'enlever voilà, pas la graisse pour des questions de santé. Exactement. Ils ne vont pas faire ça pour rien. Et quand vous allez là-bas, des fois, vous prenez votre avion, vous arrivez, on vous loge. Le lendemain, vous voyez le médecin, paf, on passe à l'opération. Alors qu'il y a des consultations pré-opératoires et des consultations post-opératoires. Donc, c'est un suivi qui est complet. Quoi. Est-ce que Maria Mobile avait fait même un témoignage sur le bébé. Oui, Maria Mobile avait fait un témoignage. L'ancienne chérie de Jonathan Morrison. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens dans les pays maghrébins, certains pays, ils alignent des patients à la pile. C'est-à-dire que vous venez grâce à des agences médicales, vous venez, il a peut-être 7 ou 8 patients, mais ce n'est pas possible que toi, tu sois en train d'opérer comme ça, c'est comme du bétail en fait. Comment est-ce qu'il peut bien se concentrer et bien travailler? En tout cas, on ne veut pas dénigrer hein, le BBL, on vous donne l'information et vous en faites ce que vous voulez avec nous, c'est là. On est là juste pour donner l'information. Merci beaucoup de nous avoir suivis, c'était Astuce Beauté avec les femmes d'ici. On se retrouve lundi pour un nouveau numéro des femmes d'ici. Bye bye. Vous venez de suivre Les femmes d'ici avec Double Millionnaire.